Hey, what's up tout le monde, c'est Kakito. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Évidemment, la vidéo est nouvelle, hein? Mais aujourd'hui, on va construire, on va faire du build. C'est un let's build. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va construire? Je pense que c'est évident, c'est juste en arrière de moi. Donc, c'est une maison un peu du désert, ok? C'est un peu de désert que vous pouvez faire dans un désert, ou ben même dans la savane. Ça peut un peu fitter dans la savane, même dans le désert, ça fit beaucoup mieux. Donc, voilà. Donc, voilà un peu à quoi ça ressemble. Je vais un peu aller autour. Donc, si vous aimez cette maison-là, juste à continuer la vidéo, et puis je vais vous faire le petit tutoriel. Enfin, bref. Juste avant de commencer la vidéo, j'aimerais ça vous dire que si vous l'avez aimé, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à m'encourager, à m'aider, à mettre un petit like dans les commentaires, pas dans les commentaires, mettre un like simplement. Puis vous pouvez aussi vous dire qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo-là, de la maison. Puis vous pouvez aussi vous abonner, ça serait vraiment cool si vous pouvez faire tout ça. Enfin bref, on se retrouve dans quelques secondes pour le tutoriel. Ok, donc on va déjà commencer, bon, comme pas mal tous mes autres bâtiments, je vais commencer par mettre les bûches, donc à chaque coin. Donc, juste pour vous dire, les maisons un peu comme ça du désert, un peu, ça va être vraiment plus cubique, ok, le style de maison, la forme. Donc on va commencer par mettre des bûches ici, de 4 de haut, donc 1, 2, 3, 4 de haut, voilà. Ensuite ici, on va laisser un espace de 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs. Puis ensuite, on va remettre 4 bûches de haut. Ensuite ici, on va venir par ici. On va relaisser un espace ici de 5 blocs cette fois-ci. Puis ensuite, on va simplement revenir ici, remettre une bûche dans le coin. Donc, oh waouh, il y a déjà un petit coucher de soleil. Donc, déjà, ça commence bien. J'ai. Oh merde. Time set D, s'il te plaît. D. Boom. Nice. Ok. Bon, désolé pour ça. Ensuite, une fois qu'on a posé nos belles petites bûches, on va mettre la. On va faire les murs, ok. Donc, pour les murs, qu'est-ce qu'on va faire? C'est avec un mélange de sandstone comme ça. Puis un mélange de. Smooth sandstone. Donc on va déjà commencer à mettre cette sandstone là un peu partout, tout autour. On va utiliser un peu la même technique que je fais un peu dans mes autres bâtiments, donc des bâtiments un peu plus médiéval. On va mettre un matériau pour les murs qui va être vraiment plus dominant. Puis ensuite on va ajouter un peu plus de matériaux pour randomiser tout ça. Donc dans ce cas-ci, le matériau pour randomiser tout ça, ça va être le smooth sandstone qui en fait ça. Donc ensuite on va simplement l'en mettre un petit peu partout, hein, comme ça, qu'on s'amuse, on la met partout, comme ça. Mais il faut quand même garder en tête que le matériau qui va vraiment dominer, ça va être le sandstone normal. Donc, il faut qu'il y ait plus de sandstone normal au final. Wow. Plus de sandstone normal que de smooth sandstone, comme ça, que je mets. Donc, voilà. Donc, ça vient ici. OK. On en met un peu partout. OK, random. Rien de trop compliqué pour l'instant. Donc, voilà. On a fait un peu la base avec les murs. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout de suite s'attaquer à... mettre une porte, simplement. On met une porte. À terre ici, je vais mettre une bûche, mais vous pouvez aussi mettre la smooth sandstone, ça dépend de vos goûts. Moi, personnellement, j'aime bien mettre une bûche. Puis, bon, mettre la porte soit comme ça, dans ce cas-ci, ouais, je vais le mettre plus comme ça, ça va rendre mieux. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On a mis la porte, on a fait les murs. On va mettre un petit peu de bordière, comme ça, des barrières. Qu'est-ce que ça va faire? C'est simplement que ça va être... oh merde. On va prendre des barrières. Ben, vous pouvez prendre n'importe quelle barrière. Moi, je vais prendre des spruce fence. Donc voilà, ça rend quand même assez bien. Donc on peut en mettre un peu partout. Hein, pas obligé d'être vraiment symétrique avec ces barrières-là. Donc voilà, on peut vraiment en mettre un peu partout comme on le sent. Moi, je le sens pour les mettre comme ça. Donc je les mets comme ça. Voilà. Ensuite, donc voilà, on a déjà la base. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Bon, évidemment, ici, on va faire un... petit plancher, puis ensuite on va faire les... Ah merde, j'arrête pas de détruire des blocs, il faut pas que je détruise, c'est pas grave. Donc ça, on va faire le petit plancher, voilà le petit plancher simplement, puis pour le sol, on va mettre des du spruce wood. Ok, qui est en fait le même matériau qu'on a pris pour les fences, les barrières, donc qui vont nous servir de vitres. Donc voilà, donc on met ça comme ça. Bon, vous pouvez utiliser des blocs évidemment, mais moi je vais les prendre en même temps pour faire ça ici. Voilà, pour faire le toit. Donc voilà, simplement on fait le toit avec ces fences, c'est des slabs, ça c'est vraiment important de faire le toit. Ben c'est vraiment important, c'est pas obligé, mais c'est bien faire le toit avec des slabs comme ça. Fait comme ça, ça fait un peu plus haut, ça rend quand même assez bien finalement. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement faire continuer, on va simplement faire un autre étage, ok, à la tout ça. Donc déjà, par exemple, on va mettre ça ici. Ok, ensuite ça, on va faire un autre étage, ok, une autre maison, ok. Donc ici on va faire comme tantôt, ici on a déjà un de haut, fait qu'on va en mettre trois autres, deux, trois, voilà.
Par ce disons qu'on vient la terminer ici, ici, puis ici finalement. Voilà, ça va être la shape de mon nom de maison, tout simplement, rien de trop dur. Ensuite, si on peut finir de mettre les barrières, puis on va faire comme ici, hein. On va mettre les, on va faire les murs, donc sandstone. Encore une fois, qui va dominer. Ok, fait qu'on peut mettre la sandstone, plus de sandstone que de smoothstone qu'on va rajouter par la fin. On peut laisser déjà tout de suite une petite craque pour la porte. Cette fois-ci, on va pas mettre de bûche ici pour la porte, parce que ça va se voir en bas, simplement. Puis on veut pas vraiment ça, donc voilà. On va simplement pas faire ça. Donc je mets un peu de sandstone comme ça, ok, pour randomiser. Puis ici, plus tard, on va mettre des bûches un peu de ce sens-là, mais on va voir ça à la fin, comment ça va rendre. Donc voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà. Est-ce que j'aime ça, avoir une porte là? Qu'est-ce que ça fait beau? Oui, ça sera quand même assez bien. Donc, oui, donc, les maisons du désert, j'aime bien les faire qu'en fait en dedans. Par exemple, ça va être deux maisons. Ça va pas être une maison qui va avoir une échelle pour monter en haut. Donc, ça va être une maison ici. Puis à l'extérieur, ici, genre, ici, ça serait une bonne place. Je vais simplement mettre une échelle pour pouvoir monter à une autre maison. Voilà, simplement. Puis si vous voulez faire des villages, ok, avec des, ce style de maison-là, gardez en tête que. Exemple, vous voulez faire une ville, ok, puis que vous voulez faire d'autres maisons, faites-la pas, exemple, distancée de 3 blocs, faites-la vraiment collée. Fait que du coup, ça recommencerait avec une autre maison, par exemple, je remettrai des bûches ici, puis je continuerai de même. Fait que, gardez en tête qu'il faut vraiment que ça soit tout collé, ok. Voilà, c'est une petite information que, ben, aussi, vous pouvez pas les coller, ça dépend comment vous aimez ça, mais moi, personnellement, coller, j'aime quand même assez ça. Ok, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? C'est presque fini. Hein. Ici, qu'est-ce qu'on peut juste faire? Okay? C'est juste rajouter un peu de trucs comme ça. Donc ça, qu'est-ce que ça va être? Ça va simplement des petits trucs d'un peu de stabilisation. Hein. On peut en mettre à des places. Okay? On n'est pas obligé d'en mettre partout, ça c'est sûr. Ok, on fait d'en mettre aux places où qu'on pense que voilà que ça faisait beau. Moi, personnellement, je pense que ça fait beau si j'en mettrais ici. Donc voilà, je vais en mettre là. Ok, voilà, comme ça, et puis comme ça. Voilà, finalement, on en met à des places où que ça faisait du sens qu'il y en ait. Comme par exemple ici, ok. Si je mettrais ça comme ça, voilà. Comme ça, ça serait quand même cool, hein, n'est-ce pas? Puis ça sortirait comme ça. Donc voilà, hein. On a mis un peu. Donc voilà. Avec notre beau bois. Acacia wood. Yeah. Donc voilà. Voilà un peu pour la maison. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement mettre un petit peu de. Leave. j'avais pas les bonnes feuilles. Ça commence très bien. Donc on va en mettre un peu ici. On va en mettre un peu au hasard. Comme ça, moi je vais faire ça comme ça. On peut aussi en faire un peu qui monte comme ça, ok? Comme un peu des espèces de comment dire des. Je me rappelle plus comment ça s'appelle. Vous savez ce que je veux dire. J'espère. Si vous savez pas ce que je veux dire, merde, ok? Enfin bref, je vais en mettre un peu partout. Ça aussi on peut. Moi personnellement j'aime ça en abuser, hein. Mais après, ça se peut que vous aimez pas ça. S'il y en a trop, moi. mais moi, j'ai tous. Non, mais moi, j'aime ça qu'il y en a quand même assez beaucoup. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire mettre une torche ici. Puis venir faire un peu l'intérieur. Donc, pour l'intérieur, on met deux torches. Voilà. On en met surtout. voyons, j'ai un chien dans la gorge. Bref. What the fuck? On va venir ici. On va mettre des torches un peu partout. Donc, on va mettre ici. Ici, on va spam-click les torches dans cette maison-là. Voilà. Bon, j'en ai peut-être mis un petit peu, beaucoup trop de torches, mais c'est pas grave. Enfin bref, voilà, voilà à quoi ça ressemble, qu'est-ce que ça donne, une petite maison du désert, hein. Oui, voilà, donc voilà à quoi que ça ressemble. Puis bon, j'aimerais ça rappeler que si vous voulez vous faire une ville avec ce style de maison-là, je vous conseille fortement de toutes les coller. Donc de faire une autre maison qui va être direct collée. Du coup, ça va être le mur de l'autre maison que vous allez faire. Vous avez une maison. Si vous faites une autre maison, et ainsi de suite. Donc, je pense très fort, très bien que ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que vous allez aimer. Que vous avez aimé la vidéo. J'espère que vous allez avoir envie de regarder d'autres vidéos après avoir regardé cette vidéo-là. Enfin bref, c'était Kekito. Je vous aime tout le monde. Puis j'espère vous voir très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!